Bienvenue sur ce plateau tout à fait spécial de Chemin d'Avenir. Je me trouve ici au siège de la première et unique société pétrolière congolaise privée. Il s'agit du groupe AOGC, Africa Oil and Gas Corporation. L'immeuble vient tout juste d'être inauguré et c'est l'occasion que nous choisissons pour faire un gros plan sur ce groupe AOGC qui a totalisé l'année dernière ses 10 années d'existence. Quelles sont ses activités? Comment cette aventure a-t-elle commencé? Et quel bilan au bout de 10 ans d'activité? Voilà un peu les questions autour desquelles nous allons tricoter notre émission. Je serai avec qui? Eh bien, je serai avec le directeur général du groupe, M. Pierre-Narcisse Loufoy. Pour l'instant, il est dans son bureau du 5e étage, il va nous rejoindre. Mais en attendant, voici le reportage intro de Miafuna Mbungu. A tout à l'heure. Première société privée de droit congolais opérant dans le secteur du pétrole, le groupe AOGC a consacré son 10e anniversaire à l'inauguration de son siège social qui se dresse magnifiquement au cœur du 3e arrondissement Poto-Poto, juste au passage à niveau de la rue Mbouchi. C'était ce 1er août 2014. La cérémonie d'inauguration de cet immeuble futuriste à l'architecture chinoise de type R+5, 10 ans de 5 étages pour faire simple, s'est déroulée sous le patronage du ministre des Hydrocarbures, André Raphaël Luemba, en présence des autres membres du gouvernement, des responsables politico-administratifs et de nombreux invités venus honorer l'éclat de cette cérémonie commémorative des 10 ans d'existence de ce groupe pétrolier dont l'ambition est de devenir un groupe privé pétrolier de référence dans la sous-région. C'est le ministre congolais du pétrole qui a procédé à la coupure du ruban symbolique et au dévoilement de la plaque commémorative consacrant la mise en service de ce qui désormais devient le luxueux siège social de AOGC. AOGC est un acronyme anglais, Africa Oil and Gas Corporation, la corporation africaine de pétrole et du gaz, dont les activités sont réalisées à travers 6 filiales, GPELSA pour le conditionnement, la distribution et la commercialisation du gaz domestique, la filiale Afrique pour la commercialisation et la distribution des produits pétroliers avec ceci de particulier qu'elle est dans l'histoire industrielle du Congo la première à mettre en service une station jamais construite jusque-là par un privé congolais. ITMS, filiale spécialisée dans les services pétroliers. Phoenix, dont le cœur de métier est le transport des hydrocarbures. AOGC EEP, qui est la cheville ouvrière du groupe en matière d'exploration et de production d'hydrocarbures on et offshore. Enfin, Memphis, filiale spécialisée dans la logistique portuaire. La contribution du groupe au produit intérieur brut s'établit à 9 milliards de francs CFA en 2013, soit 1,3 pour 1000 de celui-ci. Ainsi, sur chaque million de francs CFA de richesse produite, tout secteur d'activité confondu au Congo, près de 1300 francs CFA proviennent directement du groupe AOGC. Mieux, en 2013, le personnel de AOGC a individuellement contribué 20 fois plus que la moyenne nationale à la formation du dit produit intérieur brut. 30 millions de francs CFA contre 1,6 million de francs CFA de moyenne nationale. Preuve de sa solidité grandissante, son patrimoine, le total bilan pour les experts, a presque doublé, passant de 29 milliards en 2010 à 54 milliards de francs CFA en 2013. Dans la même période, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a plus que triplé, passant de 14 milliards de francs CFA en 2010 à 44 milliards de francs CFA en 2013. AOGC, c'est tout au plus 300 employés, mais ce n'est pas suffisant. Face à l'ampleur des défis,
la société a bien besoin d'autres ressources humaines. Dès le quatrième trimestre de cette année, et au terme d'un processus de sélection ouvert, garantissant aux candidats une chance égale, 50 collaborateurs de niveau bac à doctorat seront appelés à nous rejoindre et exercer leurs talents dans les différents métiers de groupe. L'engagement du groupe à s'inscrire dans un processus de développement hardi du Congo n'a pas laissé indifférents les invités à la cérémonie. Ils se sont exprimés. Ouf! Enfin, il était temps. Il était grandement temps que les Congolais maîtrisent les capitaux dans leur pays, dans des secteurs pas forcément lourds comme celui-ci, mais dans tous les secteurs. Et ce n'est qu'à cette condition que l'on parle de souveraineté économique véritable. Nous sommes en présence d'une idée centrale, cardinale de l'ambition du président, c'est de voir les Congolais, les privés congolais, si vous voulez, devenir des capitaines d'industrie, c'est-à-dire être capable de s'approprier, si vous voulez, des pans entiers de l'industrie de notre pays. Pour le directeur général de l'AOGC, ces succès des 10 dernières années participent du climat social apaisé, de l'amélioration du climat des affaires, de la libéralisation du secteur pétrolier aval et de la promotion du secteur privé national. Fin de citation. Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Après ce bref aperçu signé Mafuna Mbungu, je vais maintenant recevoir sur ce plateau le directeur général du groupe AOGC, M. Pierre Narcisse Loufoy. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Ok. Monsieur le DG, la première société pétrolière privée congolaise ne pouvait laisser indifférente une émission comme la nôtre qui, vous le savez, a pour vocation de mettre sous les projecteurs tout ce qui se réalise dans ce pays, tant dans le public que dans le privé. Merci vraiment de votre disponibilité. Pierre Narcisse Loufoy, vous êtes ce qu'on appelle un JCD, jeune cadre dynamique, à peine 49 ans, depuis 2006. Vous êtes à la tête de ce groupe AOGC qui aujourd'hui fait la fierté des Congolais. Si vous étiez demandé de nous raconter un peu la petite histoire de AOGC, que diriez-vous? Comment cette belle aventure a-t-elle commencé? Alors je dirais, tout en vous remerciant déjà de l'opportunité que vous nous donnez de présenter notre société, je dirais que cette société a démarré comme une petite aventure. Et donc, elle a démarré en 2003. Et le promoteur de l'idée, c'est M. Denis Gokana. Cette idée consistait en fait à construire un jour, ici au Congo, un groupe pétrolier qui serait présent aussi bien dans l'amont, c'est-à-dire toutes les activités de recherche des hydrocarbures, de production des hydrocarbures, que dans l'aval. Donc, l'aval s'entend des activités de commercialisation et de distribution des produits. Et là, bon, l'aventure commence en 2003, tout petitement, on va dire, avec beaucoup de persévérance, beaucoup de foi d'ailleurs, parce que le chemin n'avait jamais été balisé auparavant. Et par la suite, M. Denis Gokana, pour des raisons plutôt d'éthique, est amené à quitter le groupe autour des années 2005, et cède donc ses actions à d'autres privés congolais aussi et qui nous font confiance jusqu'à ce jour. Voilà, donc le promoteur de AOGC, c'est bel et bien Denis Gokana qu'on ne présente plus. Absolument. Bon, alors AOGC, c'est Africa Oil and Gas Corporation. Votre nom est anglais, ce qui constitue un coup de canif à la francophonie. Pourquoi vous avez choisi une dénomination anglaise? Alors, il n'y a pas de coup de canif à la francophonie, d'autant que vous voyez bien que nous nous exprimons en français.
Et cela n'empêche pas que nous intégrions en fait des valeurs, des visions, des modes d'agir qui, eux, relèvent quelque chose qui est du métier. Donc pourquoi un anglicisme ? Ben, la réponse est déjà dans la question. Un anglicisme parce que nous entendions déjà dès le départ nous inscrire dans une vision, dans une approche technique qui, elle, découle des standards internationaux. La réponse est dans la question parce que déjà dans le premier mot de cet anglicisme, c'est déjà Africa. Et donc Africa, ça veut dire que notre ambition, elle est déjà africaine. Oil and gas, c'est l'idée, c'est d'être présent dans les deux filières, huile et gaz. Et puis de toute façon, la langue du pétrole, c'est l'anglais. Hein. Même les Français, ils vendent, ils achètent le pétrole en anglais. Alors, vous venez d'inaugurer le siège de la société, un immeuble de 6 étages. Il sent bon, le marbre neuf. Alors, sans indiscrétion, combien a-t-il coûté et comment avez-vous financé ces travaux? Il n'y a pas d'indiscrétion, nous sommes ouverts. Le bâtiment a coûté 5 milliards. Donc nous avons financé ce bâtiment à concurrence de 5 milliards et à raison d'un financement double. Donc un premier financement provient de nous-mêmes. Vous-même, AOGC. Pour AOGC pour 3 milliards. Et les 2 autres milliards, nous les avons acquis grâce au concours notamment de la BGFI. En ce moment, vous êtes en cours de remboursement. Bien entendu, nous remboursons comme tout le monde. Mais comment avez-vous obtenu ce site qui, à l'époque, fut le centre, je crois, médico-social de la défunte Air Afrique? Ben, vous le dites si bien. En fait, c'était l'ex-centre médico-social de la défunte Air Afrique. Et donc, nous l'avons acquis suite à la dissolution et l'élection de Air Afrique. Et à l'époque, ici, sur ce site, il était souvent organisé des kermesses. Oui. Et il était dans un état repas. Donc, c'est un honneur que petit à petit, de un peu l'avoir réhabilité, puis d'avoir construit cet immeuble. Et qu'est-ce qu'il y aura ici, dans les 6 étages? Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien que AOGC? Non, pas du tout. Vous vous en doutez bien. Dans les 6 étages, on trouvera en partie quelques locaux occupés donc par les DIBOUP, mais les locaux qui, eux, sont l'autre idée derrière aussi. Et on le verra. C'est vrai que nous parlons souvent de partage. Nous entendons ici offrir la possibilité à des ambulants de domicile de leur activité. Activité juridique et activité de conseil. Ils n'auront pas de cesse. On va offrir une station. Bon, en ce moment, il y en a une construction à Sibiti. À Sibiti. Et il y en aura 3 autres à construire d'ici la fin de l'année. Parc à Brazzaville. Alors, l'autre filiale, c'est laquelle? L'autre filiale, c'est ITMS. Oh, ITMS. ITMS, c'est International Trading and Management Services. Encore en anglais? Oui, toujours en anglais, parce que pour les mêmes raisons, ITMS développe une expertise très pointue en matière d'assistance et de conseil au monde pétrolier. Il s'agit notamment des solutions qui ont déjà été développées en termes de conception, dessin assisté par ordinateur, mais aussi la mise à disposition de personnel très très qualifié pour le monde pétrolier. Quoi. Ah, donc ITMS fait du conseil, du consul, je ne sais pas. C'est bien ça, c'est du service. Donc de l'assistance et du conseil en matière dans l'industrie pétrolière. Vous conseillez qui est plus large. Alors, au nombre des clients que nous avons eu les majors. On a travaillé pour, entre autres, Total, entre autres, la raffinerie, etc. Ah, Total vient vers vous? Oui, nous allons vers Total et Total vient vers nous. Donc, c'est un mariage de raison. Bon, 5e filiale, Phoenix. Oui, la 5e filiale, Phoenix, est la filiale spécialisée dans le transport des hydrocarbures. Ah. Au départ, c'est donc les par camion citerne. Les véhicules citernes que nous voyons dans la ville. Mais pas seulement, parce que nous avons déjà acquis une barge et nous entendons à ce moment-là donc faire aussi du transport par barge pour couvrir le nord du pays et, vous imaginerez sans doute, la RCA. Combien de véhicules vous possédez? Je ne sais pas si vous avez le chiffre. Oui, nous avons une 20aine de véhicules, puisque en ce moment, nous procédons au redéploiement donc, de notre flotte. Donc, en opérationnel, aujourd'hui, il y a une 20aine qui sont appelées à être étoffées. C'est une flotte à étoffer. Et les véhicules, on les reconnaît, c'est écrit dessus Phoenix? C'est écrit Phoenix. Voilà.
Alors, AOGC, exploitation et production. Alors là, c'est la cinquième, je crois. C'est la cinquième. AOGC-EP découle en fait de la politique que nous avons en interne qui consiste à développer une expertise ciblée et spécifique, quoi. Et donc, nous n'avons pas voulu regrouper un certain nombre d'activités au niveau de la maison mère. Donc, chaque fois, nous commençons en termes de projet. Puis, quand le projet est mature, ben, nous créons une filiale spécialisée. En l'occurrence, AOGC-EP pour Explo Production est la filiale qui s'occupe uniquement de l'opérating, donc l'exploration et la production des hydrocarbures. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux et fiers de dire que la pointe indienne, qui est le premier champ pétrolier jamais exploité au Congo, la pointe indienne, qui est à 15 km de Pointe-Noire, est opérée aujourd'hui par AOGC au travers de sa filiale AOGC-EP, personnel 100% congolais, et qui a déjà réussi à peu près à tripler la production. Ah donc vous initiale. Produisez et vous vendez aussi? Absolument, nous produisons, nous allons chercher le pétrole où il se trouve, c'est-à-dire dans les entrailles de la terre, en l'occurrence à peu près à 2 km sous terre. Et vous avez tout le matériel d'exploration, ce matériel lourd et sophistiqué? Non, on ne peut pas tout. Ah bon. Bien entendu, on ne peut pas tout avoir. Nous recourons aussi à la sous-traitance comme les autres pétroliers parce qu'avoir du matériel en propre est aussi un risque parce que si nous l'avons, il faut bien l'utiliser en dehors de nos propres besoins. Donc nous n'avons pas retenu d'avoir pour l'instant une structure de genre de forage, quoi. Non, nous ne l'avons pas, mais nous allons recourir puisqu'on a des forages en vue. Nous allons recourir à des prestations. Vous avez des forages en vue où? Mais toujours sur Pointe Indienne. Ah non, parce que vous avez vous faites du onshore et du offshore. Alors, onshore veut dire simplement sur terre. Sur terre, voilà. Et offshore, c'est en mer. En mer, voilà. Et donc là, c'est un chantier sur terre, donc voilà. Du côté de Luango. Mm-hmm. Et il y a une flamme qui a toujours brûlé là, qui passionne. Vous projetez de faire du onshore? Du offshore, pardon, en mer. Pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat, parce que les risques ne sont pas les mêmes. Mm-hmm. Et l'onshore, le offshore, donc la mer, on va voir que nous y sommes présents de manière différente, quoi, au travers notamment de participation. Alors, parlons de Memphis, la logistique portuaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Memphis, c'est une superbe aventure qui démarre, parce que c'est la dernière année de nos filiales. Nous entendons être présents en matière de logistique portuaire, enfin de logistique au niveau du port. Parce qu'y être présent, c'est la possibilité de développer aussi non seulement des activités avec les tiers, qu'on a identifiées pour un certain nombre déjà, mais aussi pour nous-mêmes. Et donc, c'est pour nous vital d'être présent au niveau du port de Pointe-Noire. Mais là, nous ne nous contentons pas de prendre un espace. Non, nous allons développer un quai portuaire en gagnant sur la mer. Et ce quai comptera à peu près 6 hectares, longueur du quai 320 mètres, et le tirant d'eau, c'est-à-dire la profondeur d'eau, sera d'environ 12 mètres, ce qui permet d'accueillir des navires de Donc vous n'allez pas utiliser les installations actuelles de Bolero, Congo Terminal? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un nouveau quai que nous allons créer en gagnant sur la mer. Et donc c'est un pari à la fois humain, pari technologique aussi, parce que bon, cela ne va pas de soi, et pari aussi en termes de capacité à mobiliser. Et pourquoi cette filiale s'appelle Memphis? C'est une ville américaine, ça? Oui, mais Memphis, c'est une ville américaine qui est aussi allée chercher dans l'histoire, du côté de certainement l'Égypte, dont il se dit que nous viendrions aussi. D'accord. Alors, parlons maintenant de AOGC en quelques chiffres. On l'a dit à l'introduction, vous avez fêté hier le 10e anniversaire du groupe. Qu'avez-vous réalisé comme performance pendant cette période? Pendant cette période, les performances, c'est déjà au plan économique et financier d'être là. Parce que nous n'avons enregistré aucune faillite pendant cette période. Et ce n'était pas un pari facile à gagner. Au niveau économique, bon, je prenais juste sur les derniers chiffres, donc ceux de 2013. Oui. Pour faire simple, on peut dire que sur toute la richesse qui a été produite au Congo, il y a un indicateur qui le représente, il s'appelle le produit intérieur brut. Le PIB, oui. Ben, sur chaque million qui a été produit, AOGC compte pour 1 300 francs. C'est
peu, mais au regard de ce que cela représente, le PIB, c'est toutes les industries confondues, donc, et tout producteur confondu, pas seulement dans le pétrole, mais dans les autres industries, le bois, AOGC est déjà présente. Et vous contribuez, j'ai le chiffre, vous contribuez pour 9 milliards au PIB national. Oui, donc nous avons contribué pour 9 milliards en 2013. En 2013. Et votre chiffre d'affaires est de combien en 2013 ? En 2013, le chiffre d'affaires consolidé est de 44 milliards de francs CFA. Alors, vous travaillez avec un personnel estimé à combien d'individus ? Alors, le personnel directement AOGC, il est de 300, celui, le personnel du groupe. Pourquoi je parle du personnel du groupe ? C'est parce qu'en fait, nous avons retenu, par exemple, en matière de stations-service, de confier la gestion des stations-service à des privés qui sont indépendants. Donc les stations-service ne sont pas directement gérées par AOGC ? Non. Et le personnel qui y est n'est pas payé par AOGC ? Non, il n'est pas payé par AOGC. Donc les 300, c'est uniquement donc, le personnel directement payé par les différentes sociétés du groupe AOGC. Les 300, d'accord. Et donc, pour l'instant, quand nous regardons nos fichiers du personnel, il y a des personnes à charge et on se rend compte que derrière, en moyenne, il y a 5 personnes à charge pour chaque collaborateur, ce qui fait au total à peu près 1800 personnes, hommes et femmes, et enfants qui vivent directement du revenu qui est distribué par AOGC. Ah. La fameuse valeur ajoutée, justement, c'est elle que nous distribuons. Eh bien, nous, on la distribue directement, d'une certaine manière, à 1800. Voilà. Alors, mais dis donc, 300 personnes, 9 milliards de contributions au PIB, 44 milliards, voire 45 milliards de chiffre d'affaires. À quoi vous devez tous ces succès ? D'abord à la persévérance. Je crois que quand on veut construire, et tous ceux qui ont tenté de construire le savent, on ne construit jamais avec l'argent qu'on a. Mm-hmm. On construit toujours avec la volonté qu'on a d'arriver jusqu'au bout. Et donc ces 44 milliards, ce chiffre d'affaires, en fait, il n'est que le côté apparent. Mais ce n'est même pas le chiffre d'affaires qui est le plus important. Donc noter 44 milliards, ce n'est pas ça, mais c'est surtout la valeur ajoutée. Ça, c'est un indicateur pour nous que nous suivons au jour le jour et nous essayons de faire en sorte que ce chiffre, il augmente, donc cette contribution augmente, y compris dans l'économie nationale. Donc ce succès, on le doit avant tout aussi aux hommes et aux femmes qui croient en cette société et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour cette société. Mais on le doit aussi à justement ce cadre, oui. Cet environnement, oui. Un environnement qui est caractérisé par, entre autres, la paix. La paix, la paix sociale, vous voyez, quand on a un organisme qui, lui, vit dans des turbulences internes, je crois qu'il ne peut pas se développer comme il faut. Pour faire plus simple, un étudiant qui irait passer la préparation à ses examens dans une boîte de nuit où il y a des turbulences tout autour, il est à peu près évident que... Bon, donc la paix, ça c'est quelque chose de fondamental. Mmh. Et cela, ben, nous le devons naturellement au gouvernement et en premier au président de la République dont des efforts sont alloués. Et aussi à la libéralisation. Alors, il y a d'autres facteurs. La libéralisation du secteur pétrolier qui a donné là l'opportunité à des privés d'entrer dans, je vais utiliser le terme, dans le business du pétrole. Et ça, ça a ouvert quand même des brèches fort intéressantes dont tout le monde a profité, y compris les sociétés étrangères. Il y a aussi la promotion du privé national, parce que là aussi... Aujourd'hui, on parle un peu plus de local content, c'est-à-dire l'idée, c'est de réserver une part d'action, une part d'activité au privé national. Le privé national étant compris comme étant dans des sociétés dont la majorité est détenue par des Congolais. Mais c'est une idée, en fait, qui est un peu plus ancienne parce que nous aussi, on en a déjà bénéficié. Parce que avec la libéralisation déjà du secteur des hydrocarbures, une part avait été réservée au privé national. Et cette part était portée par la SNPC, qui est la cheville ouvrière de l'État en matière de pétrole. Et donc, c'était aussi bien au niveau de GPLSA qu'au niveau de la Société commune de logistique dont on passe. Au passage, nous détenons 25% des parts et nous sommes à égalité avec Total et la SNPC. Donc 25% des parts qui nous permettent d'être présents au conseil d'administration et bien représentés. Alors, le jour de l'inauguration, le samedi 2 août dernier, beaucoup de Congolais présents à la cérémonie ont tenu à marquer leur admiration
devant cette œuvre purement congolaise et privée de surcroît. On va les écouter, micro-baladeur. Je suis très content de constater qu'il y a les privés nationaux qui sont en train de faire un travail immense au niveau de notre pays. En construisant un tel immeuble, je ne peux que les encourager, demander à ce que nous puissions assister ce genre de personnes qui ont de telles idées. Surtout que le président de la République, dans son programme de société Le Chemin d'Avenir, a trouvé une place de choix pour la construction des infrastructures dans notre pays. Donc nous sommes très contents, très honorés de constater que Poto-Poto, nous capables de vivre en train de se moderniser. Vous touchez un point très important de ce que je défends au niveau du Sénat au quotidien. Au Sénat, je suis parmi les sénateurs qui se battent tous les jours pour la promotion du privé national. Depuis les problèmes de local content au niveau pétrolier jusqu'à l'ensemble du privé national. Je pense que notre pays a besoin du privé national pour se développer réellement. Nos amis étrangers, les opérateurs économiques étrangers, c'est très bien, mais la promotion du privé national, je suis convaincu, c'est elle qui nous permettra de développer sûrement et très certainement notre pays. Et ce que nous assistons aujourd'hui ne peut que me réjouir, me faire plaisir. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que l'on ait plusieurs privés nationaux de ce genre pour permettre un réel développement économique de notre pays. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir se développer ce genre d'initiative de la part d'un compatriote. Et ceci témoigne aussi de la bonne santé de notre pays. Et donc nous ne pouvons qu'encourager et nous réjouir de ce genre d'initiative, surtout dans un secteur qui est en plein développement. Il est important que le privé national s'approprie de la matière première du Congo et donc contribue au développement de notre pays avec les fils du pays et avec les sociétés du pays. Je suis extrêmement ravi qu'un pétrolier national puisse arriver à faire de telles choses. De toute façon, pour que l'économie puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait des privés, surtout nationaux, qui rentrent dans les affaires. Bon, bien sûr que l'État donne un peu le tempo, mais si le privé national n'intervient pas, on va stagner. Donc voilà, et ça, c'est ce qui est fait là. Nous espérons que cette société va se développer de plus en plus. Je suis contente d'être là. Et pour moi, c'est une fierté pour un Congolais, déjà, parce que le fondateur, c'est un Congolais. Et j'apprécie énormément si d'autres Congolais peuvent faire ce genre de bâtiment. Et ce n'est qu'une fierté pour une Congolaise d'être... En plus, je suis la sœur fondateur. Donc ça fait encore doublement ma fierté. Je crois qu'avec le recul, on a eu du retard pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'il faut encourager l'initiative privée. On a passé tout le temps, on pensait que c'est l'État qui pouvait tout faire à la place. Pendant 30 ans, on a dit « oui, oui, soutien ». Et aujourd'hui, nous avons des Congolais qui peuvent prendre l'initiative. Vous avez suivi le documentaire du directeur général. Et bien, plus de 1000 jeunes aujourd'hui sont salariés dans cette structure. Je crois que je suis de faire école auprès de mon frère Ngokana. Et nombreux, au lieu d'aller garder l'argent à l'étranger, il faut investir dans son pays. Voilà un exemple, un bel exemple à suivre. Je suis très fier de mon frère. Vous savez, l'activité pétrolière jusqu'à ce jour apparaît comme une activité mystique. En réalité, elle ne l'est pas. Il faut se lancer là-dedans pour comprendre que c'est une activité qui nécessite beaucoup de courage et beaucoup d'ambition, du sérieux et du savoir-faire. C'est donc un encouragement que j'adresse à OGC pour avoir osé se lancer dans cette activité. C'est une réussite parce que l'œuvre que nous venons d'inaugurer ne peut se faire sans sacrifice et sans patience.
Alors, monsieur le directeur général, le secteur pétrolier est réputé difficile et risquant. Pourquoi cette réputation pas très positive? Au contraire, je pense qu'elle est très positive. Ah bon? Oui, parce que aller dans une activité dont les résultats ne sont pas garantis d'avance demande quand même beaucoup de pugnacité et de persévérance. Et puis, le facteur chance aussi, parce qu'il en faut. Il est risqué et nous l'expérimentons nous-mêmes, parce que nous avons investi dans un permis pétrolier, qui est celui de Marine 11. Celui-là, il est dans l'offshore, donc en mer, à peu près à 75 km de la côte, Pointe-Noire. Et là, nous y sommes depuis 2006. Pour l'instant, on n'est pas rentré encore en production. Donc, nous avons investi, pour ce qui concerne AOGC, à peu près 30 millions de dollars, c'est-à-dire 15 milliards. On se demandera après d'où ça vient, parce que je vois bien dans, le regard de nos téléspectateurs, ils se disent, mais où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Mais ça, on pourra dire comment on fait pour démontrer encore que c'est que par la volonté. Ben, nous trouvons cet argent dans ce que nous faisons, en particulier dans... Il y a une activité que nous avons depuis 2005 qui est le pipeline. Ah. Parce que nous avons acheté auprès de la société privée Morel et Prom, non seulement la pointe indienne, mais aussi le pipeline qui sert de voie d'approvisionnement de la raffinerie. Ah. Et nous percevons. Ça, c'est une propriété de AOGC. AOGC, absolument. Voilà. Donc là-dessus, nous recevons un petit péage. Mais d'ailleurs, nous avons de la part de ceux qui l'utilisent. De la part de ceux qui l'utilisent, voilà. En l'occurrence, la raffinerie. Ah. Parce que, in fine, ben, on transporte, mais c'est pour la raffinerie. Mm-hmm. Donc, la raffinerie paye. Et nous avons d'ailleurs largement revu des tarifs. Nous les avons ajustés pour permettre aussi à la raffinerie de respirer. Mm-hmm. Donc, on a cette activité-là qui est une activité importante et qui génère quand même quelques revenus. Oui. Il y a aussi donc l'operating, donc pointe indienne. Nous vendons notre pétrole, donc le pétrole que nous produisons, nous le vendons pour l'instant, parce que la quantité est très petite, à la raffinerie directement, ce qui nous procure des revenus. Mais les participations que nous avons aussi à la SLOG en particulier, elles aussi, elles procurent du revenu chaque année, c'est des dividendes. On est actionnaire, on attend la fin de l'année, on suit, bien entendu, au quotidien. On attend la fin de l'année, la société se porte bien, mais elle distribue des dividendes. Et donc, ce sont tous ces dividendes-là, nous ne les gardons pas pour nous. Une fois que nous avons reconstitué cette valeur ajoutée, ben nous, quelque part, nous la distribuons à travers... nous réinvestissons. Donc, d'accord. On a très peu pour nous, en fait. On est toujours en train de réinvestir. Voilà, on a dit pétrole, secteur difficile et risquant. Alors, comment vous arrivez à vous en sortir, vous qui êtes si jeune par rapport aux grands traditionnels que nous connaissons? Comment vous arrivez à vous en sortir? Mais d'abord par la connaissance de l'industrie, parce que nous avons développé aussi en interne des capacités, un savoir-faire dans cette industrie-là. Nous savons que dans cette industrie, le risque, il est omniprésent. Et c'est justement pour maîtriser ce risque que, quelque part, tout récemment, nous avons pris des participations encore dans d'autres types de permis, qui ne sont plus ceux de la recherche, parce qu'on a déjà 15 milliards d'investis. On ne sait pas si ça va donner, on l'espère bien entendu. Et là, dans les dispositifs actuels, si jamais on n'arrive à rien de probant, ben, nous faisons, nous enregistrons. Je sens une perte sèche et il n'y a pas d'amortisseur pour ça. Donc le seul amortisseur pour nous, c'est déjà donc d'investir dans d'autres types de permis qui, eux, produisent déjà. Et en l'occurrence, nous sommes associés avec Eni dans les permis Kitina, Fukanda, Moafi et Djambala. Mm-hmm. Et donc la promulgation des textes va bientôt intervenir. Bon, la production pétrolière du Congo, d'une manière générale, tourne autour de 300 000 barils jour. Quelle est la part de AOGC là-dedans? La part est véritablement très, très, très petite. La part de production actuelle, notamment celle de pointe indienne, est extrêmement petite parce qu'elle compte pour à peu près 300 barils jour. Mais ce n'est pas là le plus important. Parce que pour nous, pointe indienne, c'est un champ à la fois école. C'est celui par lequel
nous apprenons le métier. C'est celui dans ce champ, nous n'avons pour l'instant pas fait de forage. Parce que la première chose que nous avons faite, c'est de commencer à maîtriser, maintenir une production qui était de 80 barils jour. Maintenir, puis augmenter sans faire de forage supplémentaire. Mais nous sommes passés à 220 barils jour. Et maintenant, bah, c'est un champ qui date depuis les années 1957. Tout à fait, oui. Donc maintenant, nous allons forer et quand nous forons, nous espérons que nous arriverons normalement à peu près à 300 000 barils en. À côté de cela, les participations que nous avons prises dans Moafi, les permis dont j'ai parlé, vont nous amener à peu près à avoir autour de 500 000 barils par an. Et donc, nous aurons une production cumulée qui devrait tourner par la suite. Nous visons le million de barils, c'est-à-dire la possibilité de constituer nous-mêmes un jour notre propre cargaison et la vendre sur l'international. Alors, pour l'instant, vous employez 300 personnes, vous préférez 300 collaborateurs. Et je me suis laissé dire que vous avez un projet de recrutement. C'est pour quand et quel est le profil qui vous intéresse? Alors, déjà dire quelle est la genèse de pourquoi recruter, oui. Ben, c'est simplement parce qu'en fin d'année dernière, nous avons réalisé un atelier stratégique. Nous sommes projetés sur les 5 années à venir. Nous savons où nous allons et nous avons donc besoin pour cela de compétences supplémentaires. Et ces compétences, c'est particulièrement, les domaines sont variés. Elles couvrent aussi bien l'audit, le contrôle de gestion, le juridique et fiscal, la comptabilité. On a aussi les métiers pétroliers dont nous savons que nous prendrons des juniors et nous les amènerons jusqu'à un certain niveau. Bon. En un mot, de toute façon, donc, tous ces profils seront connus d'ici sous un mois maximum. Quoi. Ouais. Et ce qu'il y a à dire aussi là-dessus, parce que souvent, nos compatriotes sont... C'est pourquoi je parle plutôt des Congolaises, parce que bon, je pense que ces offres s'adressent d'abord prioritairement à eux. C'est, si on n'a pas trouvé, on ira chercher ailleurs. Alors ils se disent peut-être que bon, voilà, les processus sont déjà viciés, il faut connaître quelqu'un là-bas. Non, moi-même j'en suis un exemple, je ne connaissais pas particulièrement mes mandants à l'époque, on ne se connaissait pas. La première fois qu'on s'est vu, c'est quand on m'a confié la charge de la société. Ils me connaissaient par d'autres choses, par des écrits, par un audit stratégique réalisé sur la société, c'est tout. Donc il n'y a pas de lien. Vous n'étiez pas, vous, au début, une connaissance particulière du promoteur? Ni du promoteur, ni de ceux qui ont repris ces actions en 2005, quoi. Pas du tout. Et donc, la preuve, c'est que par juste le travail, on peut y arriver. Et si j'ai eu cette chance, on a donné cette chance. Donc, en fait, on vous a pris pour ce que vous savez et non pour ce que vous êtes. Bien entendu, et c'est la même chose que nous allons faire. Pour les autres. Pour les autres. Alors, monsieur le DG, à l'inauguration, vous avez dit dans votre discours une chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit, je cite, « Bâtir un édifice, c'est se projeter, c'est exprimer une part de soi dans le temps et dans l'espace. » Quelle belle poésie. Que représente pour vous cet immeuble? Ben, cet immeuble, en fait, c'est un trait d'union. Ouais. C'est un trait d'union entre les 10 années passées, déjà, et les années à venir. Parce qu'il prend pied, justement, à un moment où nous avons fait le bilan des années passées. Et ces années passées, nous les avons consacrées, en fait, à construire quelque chose. Et je pense que tout est en place. Avec ce bâtiment, nous démontrons aux yeux du monde, en fait, que ce n'est pas une entreprise, disons les mots simplement, ce n'est pas une entreprise politique. Voilà. C'est une entreprise qui est faite pour durer. Voilà. C'est une entreprise qui est faite pour produire de la richesse. On n'a pas honte de devenir riche, parce que c'est la richesse, c'est elle qu'on doit distribuer. On ne distribuera pas la pauvreté. Et donc, pour cela, nous avons bâti un immeuble à la hauteur de cette ambition-là et pour les années à venir. Et nous sommes convaincus que des générations après, cette société continuera d'être. Et puis, en parlant d'immeuble, vous avez insisté sur les formes, les angles droits. Essayez d'en parler un peu. Alors, les formes, vous voyez, quand on a construit, on se rend compte que quand on construit, on se construit soi-même. Et l'art de bâtir, il est vieux comme le monde, mais souvent, quand on a choisi de construire quelque chose qui dure, on le fait avec une certaine vision. Et c'est cette vision qui transparaît à travers l'immeuble.
On a parlé des formes, la puissance, cette force qui apparaît. Pour nous, la force, il fallait le construire en force parce que c'est la force de l'ambition. Parce qu'on y croit, la force de l'ambition, mais une force, une ambition mesurée quant à elle. La beauté, je crois que ça, cette entrée qui apparaît d'emblée, c'est la beauté, etc. Mais qu'est cette beauté d'un immeuble si derrière, ceux qui l'habitent n'y mettent pas de la beauté? Et comme nous sommes dans le cas d'une œuvre de construction d'une société, la beauté, c'est d'abord la qualité du travail, la qualité des hommes, etc. Et pour le reste, les angles droits, oui, parce qu'on voit des immeubles avec des angles différents. Voilà. Certains sont arrondis. Des formes arrondies, oui, c'est ça. Oui. Et là, les architectes nous ont appris aussi, parce qu'on a discuté avec eux, que les angles droits symbolisaient aussi quelque part, angle droit et équerre vont ensemble. Donc, c'est la rectitude. Et derrière la rectitude, il y a être droit. Mm-hmm. Donc, et se tenir droit, c'est pouvoir regarder l'autre. Donc, c'est avoir des valeurs fortes. Mm-hmm. Et donc, ces valeurs fortes, elles sont symbolisées par ces nombreux angles droits. Et il nous faut, à l'intérieur du groupe aussi, mm-hmm. intégrer ces valeurs fortes qui, pour nous, que nous avons retenues dans cette phase de notre développement, qui sont en fait la compétence, être professionnel, le partage, être toujours prêt à partager en interne, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Mmh. Et puis, quelque part, une certaine éthique dans les affaires, une certaine manière d'aborder les modes de production qui soient respectueux de l'environnement, respectueux de laisser à d'autres générations quelque chose. Bon, alors, Monsieur Loufoy, nous arrivons à la fin de notre entretien. Le groupe AOGC a déjà 10 ans. Quels sont vos ambitions pour les 10 années à venir? Enfin, vous avez commencé déjà la seconde décennie de AOGC. Alors, notre ambition pour les 10 années à venir, ça va être d'ouvrir le groupe. Parce que ceci pourrait paraître étonnant, mais les actionnaires considèrent que le groupe va être trop important pour qu'eux seuls détiennent les parts. Donc, ce groupe, les actions vont être mises sur le marché, de sorte qu'un plus grand nombre de personnes puissent accéder au groupe et en devenir propriétaire, devenir d'une certaine manière propriétaire de l'immeuble, propriétaire des stations, propriétaire de tout le reste. Donc un groupe qui va être ouvert, mais un groupe qui sera dans les 10 ans au plus tard, qui sera présent dans toute l'Afrique centrale, à commencer par deux pays qui nous tiennent à cœur, la RDC, et la République centrafricaine. Un groupe où des hommes et des femmes pourront véritablement donner le meilleur d'eux-mêmes, ne pas avoir l'impression, entre guillemets, d'être opéré dans une industrie tropicalisée, entre guillemets, mais de travailler selon les standards mondiaux. Voilà, ce groupe, il sera ça. Et nous y croyons fermement, nous savons que c'est possible et nous y arriverons. Et qu'est-ce que vous dites à vos concurrents? Qu'est-ce que vous dites à la communauté financière internationale? Qu'est-ce que vous dites à vos futurs clients? Alors, à nos concurrents, nous disons qu'en nous, ils trouveront toujours un compétiteur loyal. Parce que cela, la loyauté, c'est essentiel. Nous ne ferons pas de la concurrence sauvage, ce ne sera pas le fait d'AOGC. Mmh. D'ailleurs, c'est un risque pour des tas de raisons. Donc, un concurrent loyal. À la tutelle en particulier, nous affirmons le fait que nous suivons avec beaucoup d'intérêt, tout ce qu'elle propose, et nous allons être, de toute façon, toutes les sociétés le sont, parce que quand on est dans un pays, on travaille en fonction de ses lois, de ses règlements, de ses objectifs, de ses stratégies, et nous inscrivons pleinement dans cette démarche-là. Mmh. Et à nos clients actuels et futurs, tout ce que nous disons, en fait, c'est que la richesse, c'est eux. Ce bâtiment, c'est eux. Et donc, qu'ils trouvent là l'expression de notre profonde reconnaissance et qu'ils trouvent aussi là une raison supplémentaire de consommer nos produits, en particulier ceux de notre filiale Afrique qui est en compétition avec d'autres, mais dont ils sauront désormais que pour chaque centime, pour chaque fonds qu'ils auront dépensé, derrière les emplois que nous créons, que nous annonçons, en réalité c'est eux qui les créent parce qu'ils consomment nos produits. Voilà. Ce sera le mot de la fin, Monsieur Pierre-Narcisse Loufoy. Merci. Je vous en prie, merci.